comment travailler ensemble pour mettre fin à la spirale de la violence au Congo et en Ituri où nous sommes. Et la réponse à cette question, c'est que nous devons tous nous unir. Quand je dis nous tous, c'est tous les acteurs concernés par le problème de l'insécurité. Et les journalistes, les médias en sont un. On sait souvent que la désinformation, elle est véhiculée par les médias, par les réseaux sociaux. Cet échange, c'était d'abord, un, de les interpeller sur leur responsabilité sociale. On dit que les mots tuent parfois plus que les armes. Il suffit de donner une fausse information pour que des gens descendent dans la rue. Nous nous trouvons intéressés par la mission onusienne ici en Ituri. Aujourd'hui, ils nous ont conscientisés, surtout plus pour que nous puissions prendre notre responsabilité, pour que nous puissions arriver à découvrir et à se rappeler de ce que nous devons faire, ce que nous devons poser comme acte, nous, en tant que journalistes de la ville de Bounia et de la province de l'Ituri, pour qu'on arrive aussi à contribuer, à faciliter un peu la tâche aux efforts de paix. Qu'on ne puisse pas arriver ici à chez nous en Ituri à gaspiller les acquis de paix que fournit la MONUSCO ou soit le gouvernement congolais et ses partenaires. Danser pour parler avec le nouveau chef, il nous a appelé, nous tous les journalistes, d'être le porteur de messages de paix et de nous impliquer dans la sensibilisation de la paix en Ituri. Et tout à fait, il a raison, parce que nous sommes mieux placés pour pacifier ce message-là entre les différentes communautés de la province de l'Ituri.